Bonjour à tous et bienvenue dans le tutoriel de l'application ONOFF. Alors, avant de commencer ce tutoriel, bien évidemment, téléchargez l'application, créez-vous un compte, vous voyez l'application ONOFF est en bas à gauche de mon écran. Une fois qu'on se connecte pour la première fois, on voit deux profils avec dans le premier un numéro et dans le deuxième pas de numéro, mais finalement le numéro de ma carte SIM. Donc, ce que j'appelle comme profil, c'est ce que vous voyez en vert en haut et en jaune en dessous. On peut créer comme ça indéfiniment des différents profils. Là, vous voyez bien que l'application ONOFF vous a attribué instantanément un premier numéro que l'on appelle le numéro ONOFF et le deuxième est un profil sans numéro. Si j'ai envie d'ajouter un deuxième numéro de mobile, en un clic, j'appuie sur Ajouter et là, je peux choisir le numéro de mon choix, je peux prendre un numéro français, je peux même chercher par exemple avec des 8 si ça me porte chance, ou je peux choisir des numéros qui sont un peu plus chers mais plus faciles à retenir, ou je peux carrément prendre des numéros d'autres pays, un numéro belge, un numéro australien, un numéro, etc., américain. Dans les numéros américains, je peux même choisir mon état, l'état de Californie, et là je me prends un numéro instantanément. Une fois qu'on a sélectionné son numéro, par exemple le numéro français, et bien là, ça va coûter 3 euros par mois, appel SMS illimité, et le numéro est attribué instantanément. Et une fois que vous achetez un numéro comme ça, il va être instantanément ajouté à chacun des profils, donc là au profil jaune. Si je n'ai pas de numéro associé à ce profil, ça va être finalement le numéro de la carte SIM qui va être affiché quand je vais appeler des gens. Donc pour vous donner un exemple, si je vais sur mon dialer et que je compose, je ne sais pas, un numéro au hasard, et bien là, je peux décider d'appeler soit avec mon numéro, mon nouveau numéro ONOFF qu'on vient de m'attribuer, soit avec le numéro de ma carte SIM. Bon, le service avec le numéro de la carte SIM, pour l'instant, n'est pas disponible, mais il sera disponible prochainement dans les prochaines mises à jour. Donc, vous voyez, en fait, finalement, le système est assez simple. Vous pouvez vous créer indéfiniment des groupes. Là, par exemple, je peux en créer un troisième. Je vais un profil, je vais appeler profil 1. Hop, voilà, maintenant j'en ai deux. Et donc, je peux y ajouter un numéro sur celui-là, si je souhaite, ou sur le jaune, etc. Donc, en fait, là, maintenant, je peux ajouter des numéros sur chacun des profils et ou utiliser ma carte SIM et appeler les gens avec ces numéros. J'espère que ce tutoriel vous a plu, en tout cas que vous avez compris le principe d'ajouter un numéro sur chacun des profils. Et après, c'est assez simple, vous pouvez faire des SMS avec ces numéros, vous avez un répondeur pour chacun de ces numéros et vous avez évidemment tous vos contacts qui sont sur chacun de ces numéros également. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les autres tutoriels qui vont expliquer plein de fonctionnalités très intéressantes. Je vous remercie. Au revoir.